Je vais quand même vous rassurer, je ne suis pas du tout fébrile. Parce que j'arrive de ma province où je ne vois personne qui veut la révolution permanente. Les ministres et les membres de la majorité sont traqués partout, ils vont. Alors ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale a dû être exfiltré de la gare. Je crois que ce soit un fantasme en ce qui vous concerne. Je prends le métro, je prends les transports en commun, j'arrive du train. Je pense que c'est parce que personne ne vous connaît. C'est parce que les gens ne vous reconnaissent pas. Et je signe des autographes.